Au nom de Dieu, qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de l'âme humaine, innocente, que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité, et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et d'une manière particulière à tout homme fortuné et aisé. Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leur foyer et de leur pays, de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction. Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres. Au nom de la fraternité humaine, qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effrénés, et par les tendances idéologiques haineuses qui manipulent les actions et les destins des hommes. Au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondement de la prospérité et pivot de la foi. Au nom de toutes les personnes de bonne volonté présentes dans toutes les régions de la terre. Au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère.